Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au logiciel Google Earth et Global Mapper. On va faire générer un courbe de niveau là sur une montagne. Nous allons le faire sur Kilimanjaro. C'est la plus haute chaîne de montagnes de l'Afrique. Kilimanjaro, oui. Kilimanjaro, Tanzanie. Et notre recherche. Nous avons là l'aperçu de notre territoire. Nous avons l'aperçu. On va enregistrer ça. Je fais, on va créer un repère. Notre repère là. On repère de ce côté-ci. Ok. À l'est, j'ai appelé ça seulement est. Manjaro. Ok. Est qui Manjaro. Si vous voyez bien. Les coordonnées, ici je suis dans la zone 37M, l'abscisse est là l'ordonnée. Mais si vous n'avez pas accès à ce système ici, il faut juste venir dans Outils, Options, et à partir de là vous pouvez choisir. Je suis, bon, généralement par défaut c'est le degré minute seconde. Il faut venir dans Projection traverse Mercator, ici pour avoir les coordonnées X, Y, ça, Z, et ici nous sommes, bon, les unités choisies le mètre et le kilomètre, donc c'est ça, c'est configuration, cette configuration là qu'il faudrait respecter. Ok, bon, je l'enregistre carrément. Je fais enregistrer les deux sous, est-ce qu'il mange à ici. Là, c'est fait, je peux éteindre tout comme le CRB, c'est pas grave. Je vais maintenant dans Global Mapper. Ici, dans Global Mapper, je vais ouvrir. Ici, encore, on va. Je vais d'abord cliquer sur ça. Je vais ouvrir là où j'ai enregistré mon élément. J'avais enregistré ici dans Guise Data, Database. Je prends. Il est où? Est-ce qu'il est Manjaro? Il est là. Je prends. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il va ouvrir ici? Il ouvre mon repère. J'ai mon repère qui est là. Il est centré. Carrément. Ce qui veut dire que, en exportant, en important les données, à travers de ces repères ici, je vais directement aller dessus. Parce que Global Map, si je laisse comme ça, il va me. Faire le rendu de tout de toute du globe terrestre. Et bon, moi j'ai besoin simplement de l'image ici de Kilimanjaro. Et nous allons faire générer, nous allons générer les courbes de niveau de ça. Ici nous avons les échelles. Là, on sait voir les coordonnées utilisées, les coordonnées géographiques. Je viens là-bas dans Tools, je clique sur Configure. Là, je vais changer. J'utilise UTM. UTM convient spécialement pour l'Afrique parce que ça donne une image avec beaucoup plus de détails. J'étais dans 37M déjà. Voilà.
sa propriété. Oui, 37M. 37M. Coordonnées géographiques. Je cherche ici 37M, pas moins 36M. 36M, Northern Hemisphere. Donc, au niveau de l'hémisphère nord. Ok. Appliquer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va revenir ici dans File. Download un live image. Ok. On va générer ça. Et pour cet exercice, nous allons, comme nous allons générer le groupe de niveau, ici, dans Global Map, il est recommandé d'utiliser, de venir ici dans Terrain Data, c'est-à-dire les données du terrain. Et nous allons nous intéresser à quel système ici, SRTM Worldwide Elevation Data. Donc c'est ce système qui donne le plus de précision concernant les courbes de niveau, les altitudes. C'est un modèle qui a été mis au point par les Japonais et les Américains. Je clique sur connect. Je suis l'ingénieur Sestin Cavastelli. Pour travailler dans ce logiciel, il faudrait avoir une bonne connexion Internet. Sans Internet, on ne sait pas travailler ni dans Global Maps, encore moins dans Google Earth, qui utilise les données satellitaires. Ok, nous avons l'image ici. Vous voyez là, le sommet, il est en rouge et en blanc, nous avons notre cartographie. Là, j'essaie de faire zoom arrière à travers de ma souris pour avoir agrandir un peu la zone. Je rentre encore et puis je vais retélécharger l'image. Ok, je vais retélécharger alors l'image. Bon, online, modèle SRTM toujours. Est en train de générer. Ok, maintenant ça va. J'ai ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, il faut aller dans Tools, j'active ceci. Contrôle ça me donne une image de tout ce qui a été fait. Ça, c'est comme les calques. AutoCAD, je vais désactiver un, bon, je prends celui-là, je reste avec les deux simplement. Et les temps qui génèrent, c'est un peu lourd de fois. Bon, pourquoi générer les courbes de niveau? Pour ce faire, je vais dans Analysis. Générer contour, forme, terrain, grid. Je suis là. Ici, j'ai la possibilité de changer l'intervalle. Comme c'est la plus haute chaîne de montagnes d'Afrique, la dite chaîne de montagnes se situe à l'est de l'Afrique, en Tanzanie. On peut faire des contours de 200 mètres, carrément. Bon, c'est bon, hein. Que ça dépend de l'altitude. Si on fait un contour de 10 mètres,
Ça prendra énormément du temps, je vous rassure. Bon, 200 mètres, comme c'est une montagne, on peut quand même le tolérer. Ok. Et il dit ici, les contours mineurs seront placés à 5, multiplicateur de 5, donc 5, 5 fois 200, et les contours majeurs sera à 10 fois. Comprends? On peut toutefois changer, mais on laisse comme ça. Je clique sur OK. Il est en train de générer le contour. Donc là, ça va demander un peu de patience. Ça dépend des données, du volume de données à traiter. Il va rapidement parce que j'ai mis un intervalle un peu grand. Voici, nous avons pu générer les courbes des niveaux et ici on peut enlever ça. Voici, on a fini notre exercice. Les courbes de niveau sont générées. Ceci peut être exporté vers d'autres logiciels de cartographie tels que ArcGIS, QGIS, tout ça. Tout comme vous pouvez exporter les données vers CIVI 3D, je tiens à rappeler que CIVI 3D aussi génère le cours du niveau, mais il le génère à partir de points. Ok, bon, merci pour votre attention.